nous sommes fiers de l'être. Tout est parti depuis le 6 avril 1921, lorsque Passimo Kimbangu a dit que les quatre coins du monde m'appartiennent. Nkamba, son village natal, reste aujourd'hui le lieu touristique et historique de ce pays. En partant de cette prophétie selon laquelle le monde entier viendra visiter Nkamba, les Congolais de la RTC ne sont jamais en reste, quelles que soient leurs origines et que Passimo Kimbangu est leur dénominateur commun. Quel que soit où il se trouve, les points de départ sont multiples, mais le point de chute est l'unique. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où repose pour l'éternité Papa Simon Kimbangu, notre ancêtre commun. Pour les Congolais, visiter Nkamba est synonyme de se ressourcer. Et c'est ce qui a poussé la star internationale congolaise d'origine, Barbara Kanam, a foué les sols de la CCN de Nkamba dans la soirée du jeudi 18 août 2016. Tradition kimbanguiste oblige. Dans la matinée du vendredi 9 août 2016, la star, comme toute fille digne de ce pays, est arrivée très tôt à la Cité Sainte simplement pour assister au culte matinal de ce jour, culte présidé par sa divinité Simon Kimbangu Kyangani. Il est 6h15, dans un climat serein, calme, le culte s'est déroulé pendant une demi-heure, où les fidèles kimbanguistes présents au culte l'ont salué chaleureusement dans les saints temples de Nkamba. Quelques minutes après, c'est la sortie du culte matinal. Tous les fidèles kimbanguistes ont pris place et assisté aux honneurs du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste pour qui il a exhorté tout le monde. Tel qu'annoncé par le chef spirituel, le secrétaire de la ville sainte a procédé à la cérémonie de réception de la dite délégation que voici.
Nakombo ya papa Kimbangu, Simon Kimbangu, Tiangani, papa Mfumu Alongo, na pesi bino merci, merci na ndenge boyambi biso lelo. Nazali na esengo monene pona niati mabele ya bakoko na biso. Kika ete papa apambo la bino. Merci, merci beaucoup. Soki esengo eleki mingi baere mosusu maloba ezangaka mwana biso alobi na mokuse mbe maye alobi na biso ezali minene minene aniati mabele ya tata molimo mosantu sika totonda maye auti koloba na biso na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosantu. Et pour accueillir la digne fille du pays, le chef spirituel de l'église kimbanguiste a parlé en ces termes. Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! 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 Yerusalem di Kamba! Ibunama! Oye! Kamba oye! Bonne maman, hein? Il est là! Ah! Je suis allé à la bagène, hein? Viens à la bagène, hein? Il est là! Ah, on a quand même.
Bona nini kasi bona kama. Nzambe penza kama. Nzambe kama. Nikamu nzani yao, eh? Nineka. Nzambi yao, eh? Nineka. Kama papa. Eh. Tata nzambe akanisi la batu. Nyosu. Ya, lumi pe lo poso mwenu na kuposa na yangote. Oye, mwuraraki na 20 ye. Ezali pona ko lo biko ya lo poso mwenu. Bongo bie bongo te. Eza bongo. Bolo ko ya mwutu mwenu ezaki bambula boni. 4400 ans. Pase ya mwutu mwenu, eh? Inge ka papa. Et lui, il est là, 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 il est alors, quand on a dit échangez, mes anges. Ma maman va y aller, va y aller. Allah, tu te colocas la maman, moi, loin. Attends, tous les hommes ont un assez, côté la carte. Ma maman, vous serez comme la suite, les hommes ont un meilleur fond, il y a un mot. Peu avant que la délégation soit reçue en audience, elle a procédé à la visite de Xit, à commencer par l'exposition de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu du 24 au 28 juillet 2011 à Kinshasa. Les explications de cette carte sur le chemin de la passion de Papa Simon Kimbangu lui ont été fournies par Alphonse Mibalukidi, l'un des agents de la radio-télévision kimbanguiste. La star internationale et toute son équipe s'est dirigée à la place des véhicules pour avoir les détails de ce que fut la vie quotidienne de nos trois papas à travers ses moyens de déplacement. De là, Cap, carte d'Afrique. Là encore, une découverte pour la diva congolaise qui est une surprise de voir une histoire vivante purement africaine. C'est du jamais imaginé, estime-t-elle. Quelques minutes d'explication ont attiré l'attention de la chanteuse qui, à la fin, conclut que l'Afrique est réellement le berceau de l'humanité. La place du 6 juin a été aussi honorée par la chanteuse internationale. Direction d'autres sites qui ont constitué l'histoire du kimbanguisme, aussi en la personne de Simon Kimbangu, notamment là où il guérissa les malades. La visite s'est poursuivie jusqu'au musée Simon Kimbangu, qui sera inauguré le 22 mars 2018. Quelques airs de la diva ont été mis en exergue. Pas plus d'une heure, la délégation s'engage à franchir la montagne en descendant. Direction prise, l'eau bénite de Kamba, communément appelée Mayasima, comme le signifient ces images. C'est ça.
Moi, quel mois. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on y va. Et c'était la fin de la visite de ces sites que sa divinité Simon Kimbangu Kyangani, qui accompagnait son conseil direct, Papa Zako Kyangani, ont reçu la chanteuse Barbara Kanam dans son bureau de travail. L'entretien s'est déroulé à huis clos. Inspiré par l'air de Yelu Selemi, c'est avec beaucoup d'émotion et de sourire que la star internationale, pour sa toute première fois en Kamba, a répondu aux questions de la Ratelki. Merci de me recevoir, c'est un véritable honneur et vraiment un véritable plaisir, une grande joie pour moi d'être ici, d'avoir été reçu par le grand chef spirituel, Papa Simon Kimbangu. Et ce qui m'a incité, ce qui m'a amené à venir ici, c'est d'abord déjà parce que c'est chez moi, c'est la terre de mes ancêtres, que ça fait partie de notre histoire, et je pense que nous sommes les meilleurs ambassadeurs de notre histoire. Nous voyons beaucoup de gens aller en pèlerinage à Jérusalem, aller en Israël, aller à la Mecque. Or, nous avons quelque chose de très fort qui a marqué l'histoire de ce pays, et donc il était important pour moi de venir, de le rencontrer, de rencontrer mes frères et sœurs kimbanguistes, de venir et de prier, parce que ça aussi, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Et vous avez déjà entendu parler de Papa Simon Kimbangu aussi, oui, dans quel sens? Ah ben, qui n'a pas entendu parler de lui? D'ailleurs, si vous écoutez mon dernier album Zawadi, j'ai chanté, j'ai cité Simon Kimbangu, parce que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce pays, qui s'est battu pour abolir l'esclavage, qui s'est battu pour son peuple. Et donc, nous devons lui rendre hommage. Si nous parlons de Martin Luther King, si nous parlons de Nelson Mandela, nous ne pouvons pas ne pas parler de Simon Kimbangu, qui est un grand prophète, qui avait un message de Dieu et qui a fait beaucoup pour notre peuple, pour notre pays. Donc, je pense qu'en tant que fille de ce pays, qu'en tant que fille du Congo, j'ai le devoir de parler de son histoire, de dire au monde ce qu'il est, ce qu'il a fait, parce que les gens ne doivent pas oublier, nos enfants doivent le savoir, sinon nous risquons de perdre nos valeurs. Alors j'étais très très touchée, parce que bien évidemment, on entend toujours parler de Nkamba, je ne pouvais pas m'imaginer que je serais dans un endroit aussi agréable, aussi chaleureux. J'ai vu des constructions, j'ai vu des gens qui vivent normalement, qui ont la foi en Dieu, qui ont la foi en leur pays, qui aiment leur pays, mais qui s'aiment aussi entre eux. Et je pense que ça, c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est de nous aimer, c'est de nous entraider, c'est de nous donner la main, c'est de nous pardonner. Et je ressens cela ici, j'ai été vraiment très très honorée. On a fait la route Kinshasa-Nkamba, 6 heures de route. C'est une forme de pèlerinage, mais c'est quelque chose à faire. Et j'encourage les Congolais, les Congolaises à venir ici, parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu au moins une fois dans sa vie. Sinon, on passe à côté de beaucoup de choses. Et j'ai ressenti de la chaleur, j'ai ressenti de l'amour, j'ai ressenti ce contact avec mes ancêtres. Tout vient d'ici, donc nous devons commencer par ici. Si nous voulons aller plus loin, si nous voulons que ce pays aille de l'avant, nous devons revenir ici, parce que c'est ici qu'il y a nos origines, c'est ici qu'il y a le vrai Congo, c'est ici qu'il y a nos sources, et c'est ici que nous sommes. J'ai le sentiment d'avoir repris de la force, d'être revigoré, on dit. Comme ressourcé. Oui, ressourcé, régénéré. C'était très, très important pour moi. Nous avons tous, évidemment, chacun a sa foi, ses croyances. Mais je pense que tout ce que nous devons retenir, c'est l'amour et c'est la volonté que ce peuple, que le peuple noir se remette debout, reprenne conscience de sa valeur. Parce que c'est un peuple qui a été opprimé. C'est un peuple qui a été battu. J'ai été très touchée en visitant le musée, en voyant la traite du noir, l'esclavage. Et vous imaginez Simon Kimbangu, qui il fallait avoir du courage pour tenir tête à tous ces colons. Et voilà, c'est quelque chose que je voudrais vraiment raconter au monde. J'aurai l'occasion certainement d'en parler. J'ai découvert une grande dame, c'est Maman Mouilou. Je porte d'ailleurs les vêtements. Et donc pour moi, c'est une grande dame qui s'est aussi battue pendant que son mari était emprisonné, qui est restée, qui n'a pas baissé les bras, qui a gardé la tête haute. Vous voyez, tout cela, ce sont des choses que nous devons raconter aux autres, à nos enfants. Moi, je voulais justement le vivre, l'entendre et le voir.
parce que c'est vrai que nous avons, je connais l'église kimbanguiste, je n'ai pas eu l'occasion vraiment de la fréquenter. J'ai une tante, la grande sœur de mon père, qui m'emmenait à l'église, mais en grandissant, je n'avais pas réalisé l'importance. C'est justement en grandissant, en lisant, en faisant mes recherches, que je me suis rendu compte que Simon Kimbangu avait vraiment marqué l'histoire de ce pays. Et donc j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent que ce monsieur mérite notre respect, mérite notre... On ne peut pas l'oublier, il mérite qu'on lui rende hommage. Il y a ses descendants qui sont là, il y a le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu, qui est ici. C'est quelqu'un à venir voir, à rencontrer, parce qu'il détient quelque chose. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. Si nous l'ignorons, c'est comme si nous nous ignorions nous-mêmes. Donc nous ne pouvons pas aller... il y a beaucoup de gens qui vont voir le pape, qui vont voir... qui vont à la Mecque, qui font le... Et nous, Congo, Dieu nous a bénis, nous a donné tout. Des richesses minières, des richesses sur notre sol, richesses spirituelles aussi. Donc tout cela, nous ne devons pas l'ignorer. Et c'est avec tout ça que nous pouvons aller de l'avant. Parce que je dis toujours que le spirituel a un impact sur les choses matérielles, sur les choses physiques. Donc si nous oublions le spirituel, nous risquons de passer à côté. Nous devons associer tout ça et ne pas oublier l'amour, ne pas oublier l'humilité. Moi, je suis venue ici, c'est une forme de respect et d'humiliation parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Oui. À vous entendre parler, madame, c'est comme si le monde kimbanguiste vous a-t-il inspiré quelque chose? Absolument, je pense que les gens n'ont pas bien compris le message. Je pense que le grand message aujourd'hui, c'est de dire que l'homme noir a sa place, que l'homme noir a été béni, que le berceau de l'humanité se trouve en Afrique, se trouve ici, il a commencé ici. Les gens doivent en avoir conscience. Quand vous aurez conscience de cela, vous aurez la tête haute. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous allons garder la tête haute, nous allons avancer et nous allons continuer à nous battre pour que notre Afrique, que notre République démocratique du Congo reste debout. Nous voulons des gens libres, libres dans leur tête, libres dans leurs actes, mais aussi heureux. Parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est le bonheur. Et je pense que c'est cela. C'est le message qui est véhiculé, c'est que chacun de nous vive heureux. Mais nous ne pouvons pas vivre heureux sans respecter Dieu, sans se respecter les uns et les autres. Il y a des lois, il y a des choses, et ça s'apprend. Et je pense que le grand message, c'est l'amour. L'amour, et l'amour déjà du peuple noir, l'amour du monde, l'amour de chacun d'entre nous. Moi, je suis avant tout une artiste, je suis apolitique, je suis quelqu'un je dois être avec tout le monde. Parce que chacun doit pouvoir entendre mon message. Donc je suis quelqu'un qui est venu parce que j'aime mon pays, parce que j'aime mon peuple, parce que je crois en mon pays. Je suis venu ici en tant qu'une enfant de ce pays. Et ce que je voudrais véhiculer, c'est l'amour et la tolérance et l'unité. Je suis tout à fait à l'aise ici ou ailleurs, je serai à l'aise parce que d'abord, j'aime le prochain et je respecte mes racines, je respecte mes origines, je respecte mes valeurs. Quel que soit l'endroit où je vais aller, je sais que je viens de quelque part. Et ça me donne une force. Si vous n'avez pas d'identité, si vous n'avez pas de racines, vous n'avez pas de culture, vous êtes en train de vous venez d'où? Vous êtes qui? Nous devons savoir d'où nous venons. Et ça, c'était important pour moi de venir me ressourcer, de revenir à mes origines, ici, en Kamba. Et avec le chef spirituel, on peut savoir qu'est-ce qui a été vraiment... Bon, ça, c'est quelque chose que je garde. Ouais. Mais ça s'est très bien passé. Vraiment, j'ai eu un bon entretien avec le chef spirituel, avec Papa Simon Kimbangu. Je l'ai trouvé très simple, très humain, à l'écoute des autres. Quelqu'un de très humain et qui a eu le temps de m'écouter comme une fille peut parler à son père. Et j'ai trouvé ça formidable et j'espère revenir, en tout cas dès que j'en aurai l'occasion, revenir. J'ai trouvé quelqu'un de bien. Voilà. Merci beaucoup. Qui reflète ce qu'il dit, vraiment. Nazana Bino, hein, ça c'est une forme. Quand vous allez quelque part, il faut s'adapter, il faut se mettre avec les autres. Moi c'était... Et ça, n'engagola qui s'appelle Nazana, Bakimangista Nyoso, Nazapé Mwananabino, Nazandekonabino, Nazalekinabino, Nazayanabino, Nazamamanabino, on est ensemble. Et l'oro Tolingi, l'elo, RDC, et Kendeli Bosso, Tolingi, Bartis Nabiso, Bakendeli Bosso, parce que Bisso n'est aux abas ambassadeurs, Bisso n'est aux abas messagers. N'engenaye awa, Naroloba, Onamunaki, Onayokaki. Voilà. Oui, à maman Milou. Oui, oui. Il faut t'honorer à sa maman la bisso, à sa les belles pona Congo. Donc, c'est une manière de l'honorer aussi. Oui. Comme si cela ne suffisait pas, après ces poses de photos avec quelques personnes, la diva congolaise donne le mot final de son séjour en Kamba afin d'immortaliser son séjour.
Ben moi, je voudrais d'abord dire merci. Je suis arrivée hier, tard dans la soirée, mais déjà, j'étais très impressionnée. Dès qu'on arrive à Kamba, on a l'impression qu'on est dans un autre monde, qu'on est dans une véritable cité, vraiment la nouvelle Jérusalem. J'ai ressenti beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, vraiment la présence de Dieu. Merci pour l'accueil et merci encore pour ces moments que j'ai passés avec mes frères et sœurs kimbanguistes. J'ai été reçue par le chef spirituel. Ça a été un moment très fort, très intense. J'ai découvert la grandeur de Simon Kimbangu en venant ici sur place, en me rendant compte que c'est vraiment ici que tout a commencé, que le berceau de l'humanité est ici et que la force, notre force, se trouve ici. Vraiment, j'en garde un très bon souvenir et j'espère revenir très vite. Je vais parler de Maman Mouilou, qui a été une grande dame aussi, qui est une grande femme. Et tout cela, ça me renforce. Et merci parce que j'ai retrouvé la terre de mes ancêtres. Je demande encore à tous mes frères et sœurs de rester dans l'amour, dans l'unité, dans la paix, parce que c'est pour le bonheur de notre pays. Le but, c'est que vraiment notre pays reste debout et aille de l'avant. Voilà, c'est un message d'espoir. Je suis habillée en vert et en blanc. C'est le message de l'espoir et de la pureté. Nouvelle civilisation.